Et Barry, il prend mon véhicule ou pas? Toujours à faire le con celui-là. Ah, t'as fait la formation Marie sans moi, toi? Eh oui. Bah, va bien te faire foutre. Mais t'es pas là, mais t'es jamais là aussi. Jamais là, mais t'es malade ou quoi? Je suis tout le temps là maintenant. on m'a dit que j'allais passer capitaine bientôt. Oui, bah bien sûr. Bah, je sais pas qui t'a dit ça, mais c'est un bon gros mensonge. Hein. Ah, bah c'est le capitaine qui me l'a dit. Ah oui, bah le capitaine qui te dirait, bah allez-y, prenez ma place. Ah bah c'est quelqu'un, c'est pas la voiture du capitaine. Bah allez-y. Alors, à ce qu'il paraît... Quelle balance. Oui. Voilà, tu vois, c'est vrai. C'est qu'est-ce qu'il se passe? Ok, autant pour moi, 16. Je suis désolé, t'avais raison, tu vas bientôt passer capitaine. Non, bah voilà, le capitaine a confirmé. Allez, bonne patrouille. Allez, 16, venez, on va mettre votre casque du coup. Je vous laisse prendre une moto. Allez. Ouais, parce que. Oui, c'est bon, il est en train d'équiper. C'est. Je crois que c'est un accessoire, non? Ou c'est dans vêtements alors? Ouais, non, j'ai le chapeau. Putain, c'est galère. Eh, c'est galère, hein. Ouais, je sais. Non. Putain. Non, mais après vous inquiétez pas, ça va être intuitif. Ah oh, merde. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Tu vas y arriver. Waouh là 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 là. Nickel, c'est ça. Wouh. Ah bah allez go. Enfin. Ah bah putain. Bon, la formation Marie, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, donc je vais zapper ce moment, je vais vous laisser quand même cette petite chute, et malgré cette petite chute, j'ai eu ma formation Marie. Oh ah, il s'est envolé, là. Ah oh putain. Ça va? Il y avait une pierre sur la route. Ah putain. Ouais, assieds-toi. Ah fais chier, je l'ai pas vu. C'était très bien. Du coup, merci. Bon, moi du coup c'était pas ma moto donc je peux pas la rentrer, mais... Bah, moi de la voiture je peux pas non plus la rentrer, bon je la mets sur le côté. On se remet en canal dispatch, on demande un dispatch du coup. Hein. Ok, 10-4. Et hop. Et du coup on a notre formation ou... Oui c'est bon. Ah, je vous ai dit super. Félicitations. Ah bah merci. Faut que je demande au capitaine, attendez je vais demander au capitaine. Bah nickel. 86 à 07, je suis dans votre canal. On a la formation, les amis. Enfin. Vous pouvez rajouter la formation Marie à 11 et à 16, s'il vous plaît. Allez, go, là. Allez, vous revenez. 37, j'arrive, on bouge. J'arrive. Je suis là. Et le 09 à tous, on se rend sur l'appel allez, de la voiture. Allez, à 13, on arrive. On est à 1 km. Bien reçu, merci. J'arrive juste sur allez, le chemin. Allez, vous, 16, tu prends les commandes de l'arme. Ouais, tout à fait, ouais. 37, t'es nos yeux, gauche, droite. S'il y a une moto devant, vous la renversez. Ouais, 10-4. Captain. 10-4, compris. Même s'il y a quelqu'un dessus? Non, s'il y a personne dessus. Ouais, je pense dessus, qu'elle est débile, la cadette. 10-4, bien reçu. Ouais, c'est tout ça. Adam 11, direction de la supérette de Mirror Park, 200 mètres. Adam 13, 200 mètres aussi. Tu préviens qu'on arrive côté sud. Dans 13, on arrive côté est. Possibilité d'avoir un appel sur place. De Massacro, Massacro et Valor sur place. Allez, on prend le bonheur, allez. Dans 13, on prend le 4-4 en poursuite. Quoi, ils ont pris la même que nous? Une unité qui matchait avec l'intérieur de la supérette avant de repartir ou pas? 2-0-5 à tous. Dites-nous, est-ce que c'est possible d'avoir un appel de renfort pour savoir où se trouve? Vous me balancez qu'il y a une massacre bleue, une massacre bleue, aileron rouge. Adam 13, une massacre bleue, aileron rouge est en train de s'enfuir. Quelqu'un l'a pris en chasse? Non, les 5, on se concentre sur Volor, la massacre nous a récupéré. Compris. Essaye de me prendre sa plaque. À l'avant. 16. Tu peux y aller, tu peux Est-ce que quelqu'un va checker l'intérieur de la supérette? J'essaie, mais il est loin là. Non, on vous a déjà répondu. Des 5. Une unité dessus. 37, tu essaies de m'épauler radio parce que j'essaie de prendre en photo sa putain de plaque. Oh putain. Ouais, fais gaffe. Ok, on le voleur est le voleur qui va vers l'Arnel là. Actuellement. Putain, ça glisse. Au garage RR Motors. Ah, on est en Motors. Dis-moi, allez check la supérette s'il vous plaît. 4, putain, mais. Sur la supérette, on va regarder. Qu'est-ce que c'est cool, il n'y a pas de sa supérette. Ah, ça glisse sa merde. Ah, Adam 0, 23.
La Baleur est en direction... T'es qui là, là? Attends, là, faut donner des coups, là. Il tourne en direction CV. Fais les appels renforts, là. Fais les appels, c'est bon. Okay. T'as réussi à prendre la plaque, là, regarde, c'est parfait, là, pour la plaque. Vas-y, go. Wow, il se dirige toujours en direction l'est. Il fait un demi-tour. Arrêtez-vous, police! Allez, on s'arrête! Allez, on s'arrête! Ok, on le bloque! Compris 05, c'est celle au-dessus des Mirror Park. Arrêtez-vous! Tant de biker. Il a failli renverser quelqu'un. Au début, vous êtes pas là. Arrêtez-vous! Il l'a renversé. Allez, on s'arrête! Est-ce que vous voulez qu'on recheck du coup la boîte supérette? Oui, 05, vous allez check si la tout va bien. On est là. Arrêtez-vous! 17 en cours. 17 dans moins de 2 minutes. Arrête-toi! Descendu de supérette, Mirror Park, descendu. Adam 13, véhicule sur la supérette. Il y a la massacre de retour sur la supérette. Ok, on pose notre arme par terre, il n'y a pas de soucis. À qui vous parlez, 05. Allez, je veux une couverture. Qu'est-ce qu'il est pas comme ça? Allez, monsieur, on sort de la supérette. Descends du supérette, mais en parc. 37, tu descends. On sort les mains en l'air, tout de suite. Vous voulez que j'aille? Vous voulez que j'aille? Tu peux aller négocier. Prioritaire. Arrêtez de me pousser. Attention. Messieurs, je veux qu'on se mette en place, voilà. Bonjour. Tu t'approches pas trop. Bonsoir. Je n'ai pas mon arme. Je veux l'individu en vue. D'accord. Est-ce que c'est deux policiers? Les menottes, c'est... Dites à vos collègues de pas me braquer. D'accord, je vais leur dire, mais arrêtez de me braquer, d'accord? Qu'on puisse discuter tous les deux ensemble. Ok, donc vous avez une policière et vous avez... Où est l'autre otage, s'il vous plaît? Je veux voir les deux otages. Vous éteignez votre lampe torche. Il est à l'intérieur, il arrive. D'accord, pas de soucis. Il est dans le couloir. Situation 16. Dois-je donc la poulette? Pour le moment, ça se passe. Je suis en train de négocier avec eux. Ils ont deux otages. Apparemment, on en a deux otages. Deux policiers en otage. Ok, donc ça serait la dame 07. Donc le capitaine est 05. Oh, oui, c'est le capitaine. Vous allez nous laisser partir. Ok, donc monsieur. On va prendre les flics avec nous et on va partir. On va les relâcher plus loin. Qu'est-ce que vous voulez? On veut partir, on c'est tout. On va les relâcher plus loin. D'accord, partir et vous voulez les lâcher où? Nous enverrons une position. Est-ce que, en gage de bonne foi, pour qu'on vous laisse partir, est-ce que vous pouvez au moins libérer un otage et qu'on vous en laisse un avec vous? Ça, c'est non négociable. C'est non négociable. Ils veulent pas. Je peux lui tirer une balle si je veux. C'est non négociable, tu leur dis qu'on a leurs plaques d'immatriculation, qu'on a tout, on a vos plaques d'immatriculation, on a tout. T'es bien, vraiment. Ta lampe 14. J'ai un couteau et je vais lui couper un doigt. Non, laissez-les partir. On vous laissera partir en paix si vous laissez partir les otages, ok? Il n'y aura aucun souci. On est là, on n'est pas là pour se tirer dessus, on est là pour sortir tous en vie et indemne de tout ça. On vous laisse l'argent de la supérette, il n'y a pas de souci, on veut juste les deux otages. Ok, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te reculer. Recule-toi là-bas. D'accord. Vous allez devant le mur rouge là-bas. D'accord. Est-ce que vous allez libérer les deux otages? On va sûrement les libérer, mais toutes les unités en face du mur rouge là. On vous promet, d'accord, on vous promet de vous laisser partir. Libérez les deux, s'il vous plaît, et on vous laisse partir. Promis. Un otage, vous montez en face là. Dépêchez-vous. Est-ce que moi je reste là pour négocier ou est-ce que j'y vais aussi? Non, personne. Tout le monde en face, on vous emmène un otage. Ils veulent libérer un otage, mais ils veulent qu'on se barre sur le mur rouge là-bas. D'accord, le mur rouge c'est juste en face, on peut y aller, c'est pas un souci. D'accord, mais mes collègues vont au mur rouge, d'accord? Ils se déplacent au mur rouge, je reste là en gaz de bonne foi. Chacun son véhicule. Pas de soucis. Voilà, le monoté là. Tout va. Chacun son véhicule. Qu'est-ce que je fais de 16? Qu'est-ce que je fais de 13 pour les otages? Oh la gueule! Il va pas de menottes là, dégage. Ils en libèrent, là pour l'instant. Ils veulent en libérer un, mais pas les deux. Oui, de toute façon. Ok. Voilà, vous avez eu votre gage de bonne foi, je vais sur le mur rouge, pas de soucis. Je me déplace. Vous dégagez tous, je n'ai plus personne devant, sinon je tire sur lui comme ça. Ok. Attention, on a ils ont tiré, mais c'est pas sur l'otage. On recule
On recule les véhicules, on les recule, on les met reculez, sur la reculez, reculez, ils veulent qu'on... Ils veulent que vous reculiez sur le mur rouge, ils veulent que vous reculiez, sinon ils tirent sur le capitaine. Mur rouge, toutes les unités, mur rouge. Quand c'est comme ça, on peut pas faire grand chose, on va pas mettre sa viande. Ah bah là, je pouvais rien faire de plus là. On va voir. Donc là, les individus vont sortir. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Ils vont libérer l'individu où? Ils vont. Alors, les individus m'ont annoncé qu'ils allaient lâcher le capitaine plus loin, que le capitaine allait nous donner la position. Le capitaine est toujours dedans. Le capitaine est toujours dedans. Il va prendre le. Il va prendre. Regardez, ils sont en train de le libérer. Ok, voilà. Le capitaine est libéré. On avance, Il y a une unité qui avance. Voilà, vous allez me chercher le capitaine. Vous allez bien, capitaine? Ah, démenotez-moi. 14, il est menotté. Ok, je vais vous démenoter. Allez, tout le monde. C'est pas grave. Vite. Attendez, venez, mettez-vous à l'abri. On fonce. Allez, foncez vers le véhicule. Allez, on fonce vers le véhicule. Putain, par contre, j'ai oublié mon arme Arrêtez-vous, faites demi-tour. 13, je suis monté avec le capitaine. C'est pareil, j'ai oublié mon arme aussi, enfin c'est mon taser donc. Tango 07, on a l'individu juste devant nous, on vous fait des appels. 05, faites des appels. On pourra pas venir sur vos appels pour le voleur. Mais après, vous restez là-dessus pour le voleur. Ouais, dispersez-nous au courant. Les individus continuent vers la plage au niveau de la pêche. Ok, occupez deux fois, attention. Arrêtez-vous! Continuez vers la pêche. Arrêtez-vous! La va arriver derrière vous. Montez-moi. Arrêtez-vous! Je dis! Elle rentre sur la zone de pêche. Les mains en l'air! C'est un délit que pour ajouter en plus. Bougez pas! Les mains en l'air! Vous approchez de votre collègue là, près de la voiture. Au sol! Au sol! La massacre sur la zone de pêche. Allez, vous me suivez. Restez ici, monsieur. On leur a lu les droits, capitaine. Allez-y, on avance. Passez devant moi, s'il vous plaît. Bon, je vais pas te laisser toute seule. Vous allez bien, vous capitaine, ça la porte. Oui, non, voilà. Ça va, vous inquiétez pas. Ok. C'est où, c'est... Bon, t'avances, toi, et t'arrêtes de jouer au con. Par ici. Merci. Suivez-moi. Où c'est, je demande. Oui, bah, à mon avis, t'es tu un vas te client, calmer, là, avec ton aéroxin. T'es quoi, toi et... Les gars, il a 75 ans, il vient de me parler. Bon, allez, les bras, on avance. Ça veut jouer au malin. Allez, on va se mettre face au mur avec les bras en l'air. Vous allez retirer allez, vos. Démonoter, on va vous démonoter un à un et on va vous retirer les masques, d'accord? Tu restes là? Alors, par contre. Allez-y, tournez-vous, je vais vous c'est desserrer bon les menottes. Bon, je vais procéder à la fouille. Vas-y, ma poulette. Je fais allez-y, ou vous faites retirer ce masque? Ah, mais on a le capitaine, et eh ben je crois que ça sera le capitaine qu'il faut. Écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien, vous voyez ça là. Vous allez me présenter une pièce d'identité aussi, s'il vous plaît. 50 000 balles qui ont tombé dessus, si j'ai pas fait quoi que ce soit, d'accord? Donc je conseille de rester calme. Ah, grosse, d'accord ou pas? On est d'accord ou pas, monsieur? Oh, tu m'as brisé le cœur. On est d'accord ou pas? Je crois que tu étais gentil. Allez, fouillez. Putain, vous êtes d'identité. Sérieusement? D'accord. Allez, fin du test. Ok. Fin de l'exercice. Je te retire mes bottes. T'as un exercice? Il a rien compris, c'est ça. What? Du coup, c'est qui est caché sous ce bandana? C'est quoi, on m'a prank là ou? Ok, ouais, c'est un prank. Enfin, c'est un prank. Non, c'est un test, je pense, faut pas mal le prendre. C'est un test, oui. Un braquage de super. Ouais, c'est, faut pas ah, mal le prendre. Putain, bon, c'est fait niquer. Pas ouais, regardé, du coup, ouais. Putain! Bon, on le dit pas encore aux autres unités vu qu'ils ouais, sont encore poursuivis, ouais, je crois. Ça marche. Mais non! Pas de problème. Je le prends pas mal. Non, putain, mais c'est bien, je pensais avoir sauvé la vie cool du capitaine, moi! Par contre, messieurs. Par contre, messieurs, avec vos armes, on évite par contre parce qu'on aurait pu vous allumer. Fédération prochaine fois. Franchement, je crois que c'est 86, j'ai failli te tirer dessus, hein, vraiment. Tu baissais pas ton arme, j'ai failli te tirer dessus. Je viens voter, c'est tout. Je viens voter, mais voilà, faites attention. Hein. Bon, 2-0-9 à dispatch, c'était vraiment de la merde, c'est comme exercice. Il y a plein de choses à redire, ça là va pas. Ah bah, on vient vous chercher, 09, bougez pas. Reviens, j'espère bien. Ça va, capitaine, vous allez bien? Ah, de la merde, on se détend à ce que je vois. Cette merde là, incroyable. Non, vous inquiétez pas, je vais très bien. Ouais. Je vous vois sur Facebook. Oui, écoute.
Non, vous inquiétez pas, je suis super bien, je m'assois un peu là. Ah, bah, justement de manger mon plat, justement mon petit steak. Du coup, c'était à votre initiative cet entraînement ou pas? Non, pas du 37, tout. 37, je vais en aller parler à celui qui a ça. Mais vous étiez au courant ou pas du tout? Vous étiez un otage, si pour vous, vous étiez vraiment un otage? Si elle va bien. Non, j'étais au courant. Ah, d'accord, vous étiez au courant quand même. Ça sera un chien, un animal, un lapin, un truc trop fou, mais alors une personne. Pas au courant, du coup, voilà, c'est pour ça que je vais parler au concerné pour. D'accord. Bon, bah moi qui pensais vous avoir sauvé la vie avec une bonne négociation... Ah bah écoutez, c'est bien tenté tout de même, parce que ça reste quand même un petit exercice quand même, mais vous avez bien fait, vous avez bien débrouillé, du coup on a réussi quand même à choper 2 des 3, et puis le troisième je sais pas il est où. Du coup, écoutez, au moins vous avez fait le nécessaire pour sauver la vie des otages, qu'est-ce qu'il fallait, et puis voilà. Bien joué, 16. Merci mon capitaine. Pas de problème. N'exagère pas, 6-7 minutes avant un check de la supérette. Bon, de base, le mec est déjà parti bien loin avec le butin. Non, mais toujours plus 0-9. Il y a une minute, 2 minutes à tout casser. J'ai eu 6 minutes. Vous avez reçu un coup sur la tête, ça non plus. Pardon, 16? Non, mais il y a jamais eu 6 minutes, clairement. Pardon? Ah bah, n'abusez pas non plus. Vous êtes en train de dire que je suis en train de mentir, du coup? Oui. Ah bah oui, bah je confirme pour le coup. J'étais devant avec la massacro pendant plusieurs minutes, plus d'une minute, plus de 2 minutes. Non, pas 7 minutes. Bref. Voilà, on divague. Dans tous les cas, ça a mis beaucoup trop de temps pour un check de supérette. Il y a eu une erreur de trajectoire, bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais dans tous les cas, c'est la priorité. Le XLS, vous l'avez pris en chasse, c'est très bien. Mais ceux qui arrivent en second sont censés aller dans la supérette directement pour check et voir s'il y a quelqu'un encore à l'intérieur. Là, on a fait tout, on a fait en sorte de vous braquer, même si de base les mecs sont déjà partis depuis plus longtemps. Combien c'est tard? Officier de trace, fin de service. Parfait, du coup, tous ceux qui prennent la fin de service. Et puis voilà. Oui. Je dois aller passer ma visite médicale, j'avais oublié. Moi aussi, il faut que je la fasse à mort. On va faire le dispatch. On va vous mettre ensemble dans le dispatch, comme ça va être réglé. Oh merde! Parfait. Du coup, je vais vous laisser partir après avec un véhicule. Y'a pas d'unité médicale. Ah, y'en a pas là? Pas d'unité médicale apte à faire le truc, ok, bon. Du coup, vous avez patienté pour l'instant. Excusez-moi, je vais devoir également faire un 17. Je vais faire un 17 aussi alors, mon capitaine, désolé. Pas de problème, tout ce que tu dois faire 17, dites-le maintenant, comme ça je vais préparer le dispatch en conséquence. J'aimerais vous parler 16 avant avec le capitaine, si possible. Du coup, 16, écoutez, on va pas y aller par 4 chemins. Lorsqu'un supérieur vous parle, surtout votre superviseur, on évite déjà de dire des commentaires déplacés comme par exemple un coup sur la tête, d'accord? Parce que ça c'est clairement de l'insubordination. Et on essaie de régler ça au maximum avec 09, donc on essaie de régler les problèmes qu'il y a actuellement. Donc je ne vais pas laisser des problèmes entre vous deux plus en plus durer, parce que c'est simple. Parlez-moi fort s'il vous plaît, nous sommes dans un commissariat, un endroit public, merci. Du coup je disais... Écoutez, c'est simple, je vais pas y aller par quatre chemins. Si je vois que ça avance pas et que mon superviseur ne peut pas s'entendre avec vous, écoutez, si je vois que ça avance pas de votre côté et que vous voulez pas continuer à travailler avec lui, c'est simple, je vais pas y aller par quatre chemins, ça va être vous, le badge à moi, et vous sortez. Compris? Bien sûr, mais là je comprends pas pourquoi vous réagissez comme ça, enfin, quel est le problème? Non mais je veux dire, lorsqu'on parle à un superviseur, il y a une limite, une marque de respect que ça donne. C'est votre sergent, c'est pas à la limite un collègue de travail. Ok, peut-être pour rire, mais là c'est votre superviseur. Un superviseur, c'est quelqu'un qui doit que vous devez un minimum de respect. C'est quelqu'un qui a travaillé pour son grade, c'est quelqu'un qui a travaillé pour ce qu'il y a actuellement. Donc 09, si en échange 09 vous dit un truc qui est déplacé, vous avez tout à fait le droit de le dire. C'est dans vos droits civiques du métier, peu importe. Vous avez tout à fait le droit de dire à 09, je n'ai pas précisé ce que vous m'avez dit ou peu importe. Vous êtes des hommes, vous êtes des adultes, donc entendez-vous entre vous, compris? Ah bah moi je m'entends tout à fait bien, je n'ai rien contre 09 et j'ai dit ça pour détendre l'atmosphère, c'était pas du tout contre lui. Après bon, il l'a mal pris et il l'a mal pris parce que voilà, entre êtres humains des fois on n'arrive pas à saisir le degré, mais c'était pour rigoler et avec 09 j'ai déjà rigolé. Après voilà, il veut pas rigoler. L'exercice, c'est que je dis les points. C'est pas une histoire de rigoler, mais je crois que vous comprenez pas. C'est pas une histoire de rigoler ou non. C'est une histoire de respect. Je vous respecte. Je respecte vos remarques. J'ai mes torts sur l'exercice. J'ai mes torts sur d'autres exercices qu'il y a eu dans mon passé depuis que je suis au Lespidi. Je suis pas parfait. Encore heureux.
J'ai des progrès à faire, mais ce que je demande, c'est un minimum de respect quand je dis les choses. Oui, bien sûr. Excusez-moi que vous l'ayez mal pris. Après, moi, respectez dans ce cas-là mon travail. Parce que quand vous dites que j'ai été nul à chier en négociation, voilà, mesurez vos propos. Est-ce que c'était mes propos? Ouais, c'était mauvais, entre autres, que vous avez dit. Alors que le capitaine m'a dit que c'était plutôt pas mal et que 86 vient de me dire dans le vestiaire que c'était plutôt pas mal. Vous, c'était mauvais. C'est une question de... Non, travaillez pour la ville, pas pour que chacun vous fasse des belles remarques, etc. On vous en fera, vous en faites pas. Vous faites du bon boulot de temps en temps, mais vous faites aussi des erreurs. Bien sûr. Moi, je fais des erreurs. Je n'ai jamais dit que je faisais pas d'erreurs. Ce qui est parfait du coup, messieurs. Donc, j'espère que la prochaine fois, lorsque je vais voir vous deux en service, que ça va être comme les deux donnent la main. Bien sûr. D'accord. Et puis voilà. Du coup, 16, on fera attention à ses propos. Et puis, moi, c'est simple que ça. D'accord. 16, c'est, excusez-moi, 09, c'est votre superviseur. Mais ça reste quand même un mec comme vous. Il va quand même vous respecter parce que, voilà. D'accord. Qu'on soit tous d'accord, clair pour tout le monde. On est tous humains. On se respecte tous. Donc voilà. Soit clair pour tout le monde. Alors là. Et 12, pour information, on a eu un... Ouais, tu sais que 12 est juste là. Avec les vagos. Là, du coup, on a eu une grosse rencontre avec les vagos qui nous a... Du coup, 03 nous a, enfin, m'a demandé de porter un gilet pare-balles, de sortir l'arme létale et compagnie. Ok, 10-4. Parfait. Ouais, on s'est tous braqués les uns les autres. Il n'y a pas eu de blessés. Ok. Ah on ouais, avait attrapé rien, ouais, potentiellement deux personnes. Et après, il y a une troisième personne qui est arrivée qui a voulu braquer un collègue. Je l'ai tasé instantanément, mais le problème, c'est qu'ils étaient très nombreux. Et en fait, on n'a pas pu faire grand-chose. On a été trop long sur place. Pour information, 16, la dernière fois que j'ai croisé un vagos, je me suis pris un coup de marteau derrière la gueule et ils sont tous barrés. Donc, sérieux? C'était quand ça? Ouais, sérieux, ouais. Il y a deux jours, j'ai pas pu travailler. Merde. Après, bon, bah là, on a beau avoir les armes létales de sortie, on n'est pas très nombreux sur place, donc je pense qu'il faudra quand même qu'on fasse attention. Non, c'est pour ça, on va partir en tango là. 05, vous allez conduire et 12, tu seras à la radio. Je t'écoute donner des ordres. C'est bon? Oui, bien allez, sûr. Bim. Ouais. Et toi, tu protèges les arrières en poussant les sièges au cas où il y a quelqu'un qui nous fonce dedans. Mais c'est quoi ce monde de macho? Moi, je vais écarteler mes doigts de pied à l'arrière du véhicule. Ouais, c'est ça, ouais, tu vas faire l'école radio. Pourquoi tu dis que tu es la supérieure? Vous êtes officier tous les deux, non? Ouais, alors, mais je suis là depuis plus longtemps. 05, je t'explique que le lieutenant 03 a dit que j'étais le superviseur ce soir. Donc, je suis le superviseur. Ah, moi je suis pas là pour me rebeller. Oh bah. Moi je m'en tape, de toute façon je suis cadette. Après 12, ouais, elle va se rebeller. Je suis là pour ça, en conflit au niveau des ordres, tout va bien. En attendant, j'ai l'impression d'être le cheval qui tire le carrosse là. C'est fou ça. Moi je vais sortir une voiture. Ah, commander 12. Ah, ça fait plaisir. Ouais, par contre, tu sais que ça va pas marcher avec moi. Hein. Par contre, vraiment. 12, tu m'as parce que même si on a une formation en même temps, bah vas-y. Même si on a une formation en même temps, hein, c'est moi qui gère.